et merci de rejoindre Guys Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provoque d'intenses brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'états indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur laquelle s'élancent des trains à vapeur. Et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Toi, Amelin, quand tu vois cet agrégat d'architecture, finalement, quelque part, ça te rappelle les réseaux de traverses que tu as pu voir quand tu étais dans l'aérostat. D'accord. Vous voyez, en survolant les traverses, et comme toi, les traverses, tu y as vécu toute ta vie. Oui. Finalement, cet entrelac de traverses qui se croisent et qui se découpent, en regardant ce bâtiment-là, bah, toutes ces croisements et ces carrefours, ça te fait un petit peu penser à ça. Une vision artistique, à final, du réseau des traverses. D'accord. Sauf que là, c'est un peu en hauteur. Donc, ça te laisse un peu pensif, mais c'est pas déplaisant à regarder. Je regarde ça avec intérêt. Finalement, c'est le genre d'œuvre d'art où tu restes dessus et tu laisses ton regard voilà, errer à suivre ça. Les lignes et les lignes. C'est pas une compréhension comme sur une œuvre d'art concrète, comme une œuvre d'art abstrait plutôt. Et je sais pas. Oui, je regarde. Ceux qui apprécient le style, après. Chacun ses goûts. Je suis un peu perdu dans mes pensées, aussi, d'ailleurs. Le style aéré et aérien me plaît beaucoup. Et donc, vous avez l'entrée de la bibliothèque où tout le monde rentre et passe sans trop de soucis, le grand hall. Après, par contre, vous voyez qu'il y a des divisions avec des pièces qui, elles, sont fermées, par contre. Et un bureau de réception avant de pouvoir aller dans... C'est comme des tas de petites alcôves. Qui vous pensez sont... Il y a quelques panneaux qui indiquent les différentes sections de la bibliothèque, mais c'est sur beaucoup et de multiples étages. Donc la réception, vous voyez une dame à la réception qui vous attend. Elle vous fait un grand sourire en vous voyant arriver. C'est... Ferdinand, Madame, tu veux messieurs peut-être lui demander ou... C'est moi. Non, vas-y. Bonjour madame, pourrait-on consulter la section des enregistrements des concerts, s'il vous plaît? Oui, les archives récentes ou... Les archives qui correspondent à la saison de la rouille. D'accord. Notamment sur les concerts du Quatuor avec un certain Armand. Cela vous dit quelque chose? Pas du tout, mais nous avons des milliers de disques, monsieur. Vous savez qui rentrent chaque... Précisément le 8 et le 15 de Rouille. Eh bien, je pense que vous allez vous diriger vers le département musique et arrivé sur place, un archiviste vous conduira vers le rayonnement approprié. Vous n'avez pas besoin d'autorisation spéciale, les derniers morceaux enregistrés sont accessibles à tout public. Fort bien. Veuillez laisser vos armes, s'il vous plaît, avant de pénétrer dans le bâtiment. Et elle t'indique un vestiaire, d'ailleurs elle vous indique un vestiaire, où effectivement... Il y a un préposé qui donne des petites plaques avec des numéros en échange de... Ah bon, faut que je lève toute ma panoplie. Bah, bon, la rapière, le poignard, le pistolet. Moi, je sais pas, les autres aussi. Le mousquet. Je... Bah, je vais laisser mon arbalète alors. Bah, je vais laisser mes trucs aussi. Moi, j'ai une petite dague. Si c'est une petite arme, vous pouvez essayer de la camoufler et dans ce cas-là, un test de maraude. Si vous voulez la garder parce que ça vous embête de la poser, c'est possible. Bah, moi, je vais tenter du coup. Bon, moi, j'essaie même pour... Bah non, mais t'es respectueux des lois, de toute façon, Florian. Quoi? Tu respectes les lois? Ah oui, moi, je respecte les lois. J'ai 10. C'est bon pour toi, Léonard. Ah, ça marche pas la maraude.
C'est pas terrible, ça. 10 Philomène, ça fait une grosse bosse, hein, quand même. Ouais, je crois que je l'ai pas bien rangé. Tu regardes. Alors, par contre, est-ce que tu t'aperçois que c'est pas bien rangé? Je pense que non. Parce que t'as tenté, donc je veux dire, t'essayes de faire de ton mieux. Tout à fait. Qu'à partir de là, voilà, tu l'as caché dans ta ceinture ou... Ou dans ma poche, tout simplement. Dans ta poche. Ah oui, je sais pas comment sont les couteaux, donc peut-être à la ceinture, oui. D'accord. Peut-être sous ta veste, peut-être, alors tu l'as gardé, tu l'as tout fait tourner. Bah, on verra s'il y a une conséquence ou pas. Ok. Donc, vous pénétrez, ensuite, on vous indique le département... musique. Donc vous entrez dans une des alcôves et là, même si la structure est tout le temps est toujours en fer, c'est fermé pour protéger sûrement des intempéries. Ça reste très lumineux. Il y a des étagères et des étagères avec des milliers de disques en cuivre qui sont là. Comment c'est rangé tout ça? Eh ben, un archiviste est là pour nous aider, non? Et vous avez un archiviste, donc aujourd'hui, c'est l'archiviste Sabiano qui vient vers vous. Et voilà, un peu intrigué parce que à 5, bon, quand même. Donc vous voyez qu'il y a des phonographes qui sont... il m'a fait peur. Il y a des phonographes qui sont disposés sur les bureaux de façon à ce que vous puissiez écouter sur place. Les enregistrements qui... Voilà, normalement, c'est pas forcément une bibliothèque de près, hein, les archives. Mais c'est classé par date de concert, de choses comme ça, ou... Eh ben, en fait, vous demandez à l'archiviste, et puis il va vous chercher ce que vous souhaitez. Ce doit être des petits phonographes individuels pour éviter de faire trop de bruit dans la bibliothèque, je pense. Tu colles ton oreille dans le pavillon. Alors, bizarrement... Et c'est une très bonne question, Philomène, mais tu vas comprendre. Et bizarrement, non. Mmh. Intéressant. Donc, Sabiano vient vers vous. Et madame, messieurs, que puis-je pour votre service? Eh bien, nous aimerions consulter un rouleau musical concernant le concert d'un quatuor qui a joué... au conservatoire, le 8 de rouille jusqu'au 15 de rouille. Il a eu beaucoup de succès, d'ailleurs. Un disque enregistré, vous me dites... Oui, un disque enregistré, comme tout ce qui est au conservatoire est enregistré, n'est-ce pas? 8 concerts au conservatoire de l'Aquilone? Oui. Je n'ai rien à cette date. Oh. Allons donc. Vérifiez. Je n'ai... Vous me dites, redites-moi ça, le 8 du 3e mois de rouille. Et du 8 au 15. Du 8 au 15. Vous voulez parler de l'erreur? Pardon? Vous voulez parler de l'erreur? De quelle erreur s'agit-il? Vous êtes journaliste? Vous travaillez pour la plaque? Non, je travaille... Je lui montre... Quoi? Ah, mademoiselle, oui. Eh bien, écoutez, ça n'était jamais arrivé depuis que je travaille ici. Le monsieur doit travailler depuis une trentaine d'années. Hein, et savez-vous que l'archiviste Maldano a découvert une erreur? Vous pensez? Une erreur dans la bibliothèque d'Agrigente. Un disque qui avait été mal étiqueté. Oh, ça fait une affaire. Nous avons eu les journalistes qui sont venus. Ça fait un petit moment qu'ils ne viennent plus trop. Vous vous rendez compte? Une erreur dans la bibliothèque. Il en trépigne d'excitation, le petit homme. Mais mal étiqueté, c'est-à-dire? Eh bien, l'archiviste Maldano... lit tous les enregistrements, bien sûr, pour contrôle, hein, bien que les erreurs n'arrivent jamais, quoique cette fois-ci, là, justement, c'est bien là que tout le sel de l'histoire est là. Eh bien, le disque était étiqueté... déjà, il n'était pas du tout classé en musicologie. Il était classé dans les traités d'aérostat, figurez-vous. Ah, oui, bon. Et quand l'archiviste Maldano l'a écouté, c'était une sonate. Ah, oui. Ah, oui.
À quoi toi ? Nous avons réussi avec la date, parce que la date que monsieur a indiquée, le 8 du 3e mois, c'est pour ça que comme j'ai entendu la date, je me suis dit que vous veniez pour l'erreur. Oui. Eh bien, l'archiviste Maldano a tout de suite pris ce disque, cette erreur, et puis l'a amené au grand maître archiviste Ledzi. Vous vous rendez compte, ce n'était pas possible qu'une erreur pareille passe inaperçue et s'est remontée dans les plus hautes sphères de la bibliothèque. Ah bah oui, je comprends bien, oui. C'est moi-même qui avait réceptionné ce disque, parce que voyez-vous, je ne suis pas toujours en musicologie. J'étais justement dans le service technique, et je me souviens très très bien de ce jeune homme qui est venu me déposer ce disque. Ah bon ? Ah bon, il est... Oui, ben, il portait un masque pour... Ah, oui, forcément. Il toussait un peu, mais j'ai tout de suite su qu'il jouait un rôle. Mais on ne me trompe pas facilement, vous savez. Il vous a déposé ce disque pour qu'il soit mis dans un autre secteur que la musicologie ? Oui, je vous dis, j'étais au service technique quand il me l'a déposé. Mais je ne pouvais pas savoir que c'était une erreur. Ce n'est pas mon rôle d'écouter de lire les disques avant qu'ils soient archivés. Je réceptionne et je fais les reçus. Quelqu'un et voyez ce petit jeune homme, il essayait de me tromper. Je pensais que c'était un acteur. Mais quand il m'a serré la main... Après que j'ai réceptionné son disque, je l'ai bien senti, moi, que ses mains, ce n'était pas un technicien. J'ai senti les cales sur ses doigts, les cales des musiciens. J'y ai repensé de nombreuses fois après que l'archiviste Maldano ait trouvé l'erreur. Et je lui ai... Peut-être aurais-je dû lui signaler plus tôt, Mais enfin, c'est grâce à moi, finalement, quelque part, que j'ai trouvé l'erreur de la bibliothèque. Oui, ce sera bien évidemment écrit. Et qu'en est-il ? Alors, n'oubliez pas, hein, je suis Monsieur Sabiato. Hein, Sabiato. C'est noté. Et qu'en est-il ? Ah, pour la plaque. Et qu'en est-il de l'erreur ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, l'archiviste Maldano s'est tout de suite occupé de cette affaire. Et il est allé, je pense qu'il est même allé au domicile directement du maître archiviste Ledzi après coup. Du coup, je n'ai pas revu le disque en question, mais je suppose que l'erreur doit être traitée différemment. Je ne sais pas très bien, à vrai dire, quelle est la procédure. Comment on traite une erreur. Et l'avez-vous écouté ? Oh non, ce n'est pas mon rôle. Non, c'est pas votre rôle, oui, c'est ce que vous avez dit juste avant. Si... Maître Maldano, là... Ce grand maître Ledzi, il est... on peut lui parler ? Ah bien, il a tellement d'affaires importantes sur toute Venice. Non, il n'est sûrement pas à la bibliothèque aujourd'hui, d'ailleurs. Il n'y est jamais le matin. Mais Maldano, il est là ? Oh oui, l'archiviste Maldano, après il ne tient pas très, il n'est pas très presse, voyez-vous, peut-être omettez de lui parler de la plaque, oubliez d'inscrire son nom, il a eu une publicité, et les gens ont parfois été un peu méchants avec lui, je pense qu'il n'apprécierait pas du tout d'avoir son nom dans la plaque. Vous pouvez compter sur nous. C'est pour lui rendre service hein, que je vous dis ça, bien évidemment. Oui. Mais si vous tenez à le rencontrer, alors il vous montre tout au fond, en fait, du département de musicologie. Vous voyez, tout au fond, il y a un escalier, il y a un premier étage, puis un deuxième étage, et en fait, le bureau du... parce que lui, celui que vous avez vu en bas, c'est un archiviste à proprement parler. Ceux qui sont en haut, en fait, c'est les vérificateurs, en fait. Ils n'ont pas le même rôle. Ils écoutent ils lisent tous les disques. Et ensuite, ils les mettent dans les bons rayonnages. Il vous laisse y aller sans même autorisation particulière. Il vous dit, voilà, vous verrez, c'est écrit sur son bureau. Quand vous montez, si vous montez, Je voulais savoir. Pardon. Est-ce qu'il est possible d'emprunter le rouleau ? Eh bien, l'erreur est toujours, je pense, je ne sais pas si c'est Maître Maldano ou le grand maître archiviste Ledzi qui l'a en sa possession, mais moi, je ne l'ai pas dans mes rayons, en tout cas. Ah, d'accord. Mais c'est une erreur, vous comprenez ? On ne peut pas l'archiver autrement. Ah, d'accord. Entendu.
Peut-être vont-ils faire un département exprès pour ranger l'erreur. Oui, mais enfin, c'était de la musique. Elle a dû être reclassée dans... Ah non, pardon, monsieur, ce n'était pas de la musique. C'était étiqueté petit traité sur les aérostats. Oui, d'accord. Et pas dans la musique. Ah, allons voir ce monsieur Maldonon qui ne souhaite pas être... qui ne souhaite pas être nommé dans la... N'oubliez pas, mademoiselle, Sabiato. Oui, oui, c'est bien noté. Il vous laisse passer. Après, il y a des gens qui travaillent, mais ils font pas vraiment attention à vous en finale, parce que une fois que vous avez passé le seuil, on va dire, de la réception, les gens sont en train de travailler, ils s'occupent pas trop des allées et des venues. Donc, vous montez, premier escalier, c'est beaucoup plus éclairé en fait quand vous montez. Et arrivé au premier étage, vous commencez à entendre une certaine cacophonie. Ou une cacophonie certaine, peut-être une dizaine ou une vingtaine de disques qui tournent simultanément. Voilà. Et quand vous montez au deuxième étage, le son est beaucoup plus fort. Mais bizarrement, ça vient d'un des côtés, et de l'autre côté, c'est plutôt calme. Et donc, du côté calme, vous avez la petite étiquette qui indique le petit panonceau métallique qui indique archiviste Maldano. Pouf. La porte est entrouverte. Et vous voyez un homme qui doit avoir. Qui est pas très vieux, il a peut-être 35 ans. Il est en train de caresser un disque. Ah. Chacun son truc, hein. On reste tous là, comme ça. On le regarde. Ah, il continue. Au bout d'un moment, il pose le disque qu'il a en main, et puis il a une boîte à côté où il y en a d'autres. Donc vous voyez qu'il écrit des choses sur un carnet. Il pose le disque, il le range dans une boîte exprès, et puis il prend un autre disque dans la pile. Monsieur Maldano ? Il continue à caresser son disque, il note des choses sur son cahier. Monsieur Maldano. Il le pose. Au bout d'un moment, il change, il emballe soigneusement son disque et reprend un troisième disque. Je me mets dans son champ de vision. C'est dommage pour quelqu'un qui écoute de la musique. Voilà. Il lève la tête et tu regardes très surpris. Monsieur Maldano. Une seconde, je vous prie. Il prend une ardoise avec une craie. Il te l'attend. Je marque Monsieur Maldano, point d'interrogation. Ah oui, il est vraiment sourd. C'est pas ouais. Oui. Est-ce qu'on peut vous parler, point d'interrogation. Il te fait un grand sourire. Vous pouvez écrire. Sa tête. C'est pour ça qu'il touche les disques, c'est comme du braille pour lui. Il entend la musique en la touchant. Et oui. Ah, trop fort. C'est joli. Et il fait vite, hein. Oui. Ah oui. Attends, toute une sonate en 2 secondes avec le vent, là. Wow. Donc, en accéléré. En diagonale, vous avez... Bah, allez-y, que puis-je pour vous avec l'ardoise, allez-y. Je serais beaucoup trop direct. Oui, c'est pas mal. Savez-vous, pouvons-nous voir l'erreur ? Interrogation. Écoutez plutôt. Tu vois, il se renfrogne un petit peu. Tu vois ses épaules qui s'affaissent, un grand soupir. Je rajoute, nous venons de la part du Dodge Falio. Je croyais que tu voulais lui dire qu'on venait de la part de la plaque pour qu'il ait son nom. Mais non. Dans le journal. Mais je regarde quand même sa réaction quand il le lit. Je vais y arriver, monsieur Faléo. Je n'ai plus l'erreur. Je l'ai remise au maître archiviste Lezzi.
Donc ça n'a jamais été classé, reclassé, d'accord. Non, c'est ça, c'est conservé. Est-ce que il a lu le disque ou écouté le disque? Ah oui, bonne question. Ça tu lui écris ça? Ouais. Oui, il était noté traité de mécanique aérostatière, mais c'était une sonate. L'avez-vous trouvé jolie? Pouvez-vous nous la chanter? Là, je crois pas qu'il puisse. Bah, on sait jamais. Bah non, il parle pas. Enfin, si, il parle, mais... Alors, il me meume un truc, et finalement, c'est pas... C'est musical. Mais est-ce que vous arriveriez à reconnaître? Voilà, moi qui la connais. Je dis sonate d'Armand, je marque dessus. Eh bien... Je ne connais pas le nom de l'erreur. Par contre, si tu veux écouter son meumeumage et savoir voilà. Si c'est le bon, il me faut un test de créativité. Je retente. On retente aussi? On peut retenter nous aussi? Oui, parce que c'est plus le même interlocuteur. Oula, c'est... Alors... Et, oubliez pas... Oui, je le rappelle, mais je crois pas que ça puisse s'appliquer là. Oubliez pas, si vous arrivez à utiliser votre spleen ou votre idéal sur un test quel qu'il soit, vous obtiendrez un méga bonus de points d'expérience à la fin de la balade. Mais oh, c'est pas forcément indiqué. Oula, bug. 12. Alors là, il y a... Voilà, je vais revenir. Alors, j'ai de créativité. J'avais eu 10 pour Eleonore. Qui c'est qui m'a fait 12? Ferdinand. Et moi. Et Ferdinand et Florian, et même Philomène, t'avais fait 10, ce qui est pas mal. Et Florian, c'est alors, double 6, hein. Moi, double 6, je peux relancer un 6. Je sais plus. Ah ouais, ça faisait pas un truc, les doubles? Oui, non, j'en sais rien. C'est vrai qu'on n'a jamais eu double de réussite. Donc, ce qui fait que oui, tu reconnais la musique. Et la prochaine fois que tu devras reconnaître la musique, tu pourras avoir un bonus de plus de, du coup, Florian. Donc, ils la chantent bien. Peut-être qu'on peut l'enregistrer sur un, au moins, si c'est la mélodie, ça fera peut-être du bien au doge. Même si c'est me. Ben, là, t'as pas de quoi enregistrer, mais peut-être la garder si, en recours ultime, pourquoi pas. Peut-être que lui, il peut y avoir un système d'enregistrement. Ah non, c'était chez le... Ben, non, c'est l'écoute, ils ont pas... C'est à l'atelier qu'on ah enregistre. Non, oui, vous avez raison, l'enregistrement se fait au concert lui-même. Mais après, peut-être, hein, c'est pas forcément une mauvaise idée, en cas, si vous trouvez rien d'autre, ben, je trouve rien sur les doubles, mais cherchez. Ben, c'est-à-dire, en faisant un rapport avec les médicaments, c'est pas le principe, c'est peut-être un générique moyennement bien fait, quoi. C'est... Ben, note-le-toi quelque part, et puis si l'occasion se présente, voilà. Après, là, le monsieur, il peut-être est quand que même ça sera bien. Quand même, voilà... genre de traitement homéopathique pour le dog, ça sera toujours ça. Mieux que rien. Donc, du coup, ça sera mieux que rien. Il vous ouais. voit parler, et puis lui, bon, il a sa pile de disques qu'il attend, donc il vous dit si vous n'avez plus besoin de moi, j'ai du travail qui m'attend. Non, où est le grand maître Lizzy? Enfin, grand maître, grand archiviste. Je ne sais pas, quelque part dans Venice. D'accord. L'adresse? Mais je peux vous donner son adresse. Voilà, oui. Bon. Alors, en fait, là, il va l'écrire, l'adresse. Donc, où est-ce qu'il habite Je prends mon carnet et j'écris. Ben, en fait, il habite dans un quartier qui est plutôt pas mal, au final. Hein. En fait, il habite pas très loin d'Estrelly. Ah oui. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Mais après, il est quand même grand maître archiviste. Oui. Hein, donc, vous savez que c'est un beau quartier. Je vais juste vous mettre le petit... Donc, maître... Je peux lui poser une dernière question? Tu peux lui écrire une question? Oui. De la place. Oui. Est-ce que c'est normal, depuis tout ce temps, que l'anomalie n'ait pas été reclassée en musicologie comme ça aurait dû? Donc, il te répond... Le protocole de traitement des erreurs est à l'étude. Ah, c'est jamais arrivé. Monsieur, vous êtes dans la bibliothèque d'agrégente. Nous ne faisons jamais d'erreurs. Jamais, jamais, jamais ou jamais... Tu écris ça sur l'ardoise, jamais, jamais, jamais. Non, jamais, non. Jamais, jamais, jamais ou jamais. Parce qu'il y a quand même un précédent, donc maintenant c'est plus jamais, c'est déjà arrivé une fois, donc... Enfin bref, c'est moi qui pinaille, c'est l'avocat qui parle.
et c'est pas eux qui... Comme il y a déjà un précédent... Ben après, c'est... Oui, comme disait Philomène, l'erreur vient pas d'eux. Fin... Oui, il vient de celui qui a livré le paquet. Ils ont reçu un disque avec une étiquette qui était pas... Oui, qui avait voulu être caché, quoi. C'est ce qu'on pourrait interpréter, effectivement. Ben c'est Armand, un jeune, il parlait d'un jeune, donc... Avez-vous trouvé la musique jolie ? Ah, pardon. Tu l'écris ? Ouais. Je vous oblige à écrire, c'est bon. on aurait été en table, oui. Ça aurait été drôle, d'ailleurs. Je suis payé pour classer les œuvres, pas pour les critiquer, monsieur. C'était pas une critique, mais enfin bon. Bah si, si tu dis que c'est joli, c'est pas... Enfin, voilà. C'est une erreur. C'est lui qui a reçu le monsieur qui a donné le livre Non, c'est l'autre. C'était l'autre. C'est non, ça. Ouais, c'est... Saviano, chose comme ça. Mais apparemment, il a décrit comme quelqu'un en... De jeune et musicien. Oui. Musicien. Avec des cales, il a pas mis son visage, mais il avait les mains de musicien. C'est ça. Enfin, il cherchait à se cacher quand même, hein. Oui, mais... Ouais. Il a recommencé à lire ses disques, à caresser ses disques, à lire ses disques. D'accord. Donc on a l'adresse... Voilà. Et puis il y a des brigands aussi qui rôdent. Oui. Que faites-vous ? On s'y rend ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Bah oui. En passant, j'achète un truc à manger à un petit vendeur de rue parce qu'il doit commencer à faire faim là. Oh, mais t'as raison, on peut même s'arrêter. Mangeons sur une terrasse ici, il fait beau. Donc, après, vous êtes au mois de Verdé dans le. De mois de Verdé, et le temps. Premier mois de Verdé, il doit faire un peu frais, mais ça doit aller. Petite collation alors Ah, bah oui, vu l'heure. Qu'est-ce qu'il propose des spritz apérol ? Alors, si tu veux boire dans la rue, on va te proposer plutôt de la bière de chanvre. Ah oui. Tiens, une rondelle d'orange, ça me va. Parce que c'est pas très fort du tout. Hein. Bon. L'orange dans les crèmes. Oui, c'est plutôt... Je sais même pas si les gens savent ce que c'est qu'une orange. Oui. Sinon... Non, alors orange, non. C'est un fruit mythique. Par contre, vous avez des brochettes de... des brochettes de buzo. De quoi ? Donc pour l'instant, vous voyez des petits cubes de viande embrochés sur des petites piques métalliques. Et sinon, des brochettes de gros champignons. Ça coûte moins cher, hein, ça coûte quelques sous. Bien sûr. Mais même le bison. On n'a pas oublié de récupérer nos affaires en sortant. Hein. Non. Oui. D'accord, oui. Oh oui, bon. Ça, c'est une collation commune. Donc le buzo, ça ressemble à un rat avec une espèce de queue de kangourou sur lequel il peut se dresser. Et en vrai, faut se méfier parce que quand ça mord, c'est un peu venimeux. La morsure, hein, mais après à manger, de toute façon, c'est cuit. Donc. Bah ouais. Et les champignons. On avait ça et on aussi. Ça doit être du mandre. C'est pas très bon, mais quand on met une sauce avec, ça va. C'est nourrissant. Ça coûte quelques sous en fait. Pour un sou, vous avez une brochette. Et pour le repas, le complet, combien il faut compter ? Donc, si vous voulez la brochette de mandes, la brochette de rat et la bière est offerte. Donc, pour deux sous, vous avez votre repas de rue qui cale un peu. Ah, bah, ouais. Moi, si des amis veulent me l'offrir, je suis pas con, j'ai pas tellement d'argent. Ah, mais je pas vous l'offre. Je vous l'offre. Ah, merci. Oh non, vous savez. Mon métier était très intéressant, mais il ne rapportait pas grand-chose. Merci beaucoup.
pour ce repas. Juste à côté de vous, vous voyez des acrobates qui commencent à installer des fils entre deux toits de maison. Vous n'êtes pas très loin du palais des doges, hein, là vous n'êtes pas reparti. Et qui commencent à faire un spectacle de funambule entre deux toits. Donc des cabrioles, faire semblant de tomber, rebondir sur la corde, ce genre de choses. Et après, nous, on nous embête pour un... Hein, parce que juste, on s'atterrit un peu vite fait, comme ça, n'importe quoi. Oui, peut-être qu'il faut se déclarer, peut-être, avant de faire un spectacle de rue. Ah, peut-être. Nous verrons ça plus tard. À moins que vous vouliez assister au spectacle, sinon on irait bien traverser tout ce quartier et rejoindre la maison du maître archiviste. Lizzie. Allons-y. Là, je crois qu'il va falloir qu'on fasse attention à cette histoire de disque. Oui, comment faut-il aborder la chose ? Oh, moi je serais d'avis d'y aller franco, hein, c'est-à-dire qu'on vient du nom de Doge et qu'il faut qu'il nous explique un petit peu ce qui s'est passé. Je pense qu'il l'a plus en ce moment sa possession, que quelqu'un lui a dérobé, mais c'est une intuition que j'ai. D'accord. À moins qu'il soit de mèche ou que quelqu'un l'ait. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas. Mais enfin, bon, depuis le début, il y a quelque chose. Dire quelque chose, cher MJ. Quand il y a un concert qui est fait, il y a forcément un disque qui est produit. C'est ça, il y a un enregistrement qui est produit. On va dire c'est automatique. Alors, souvent, c'est à chaque fois qu'un nouveau morceau est produit. Ça veut dire que s'il y a une série de concerts, généralement, le premier concert est enregistré. D'accord. Parce que, tu sais, généralement, ils ne changent pas leur registre quand même à chaque fois. Donc, le premier concert d'une série, on va dire, est enregistré. Ensuite, le morceau le disque enregistré est remis à son producteur, si je puis, à son auteur. En principe, bonne question. Savoir le trajet du disque... Ouais. Depuis la production jusqu'à l'archivage. Je veux dire, est-ce que c'est la propriété normalement, c'est une obligation. De l'artiste ou est-ce que c'est la propriété de la salle ? Alors, c'est une obligation de l'artiste d'homologuer, on va dire, son œuvre en l'enregistrant à la bibliothèque. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui doit s'en occuper et après, il doit l'apporter à la bibliothèque. C'est comme les copyrights. Ah, d'accord. C'est-à-dire que s'il ne le fait pas, il risque une amende. Mais surtout, si quelqu'un lui pique son morceau, il ne pourra pas dire que c'était lui qui l'a fait. Ouais. Donc du coup, c'est le trajet, c'est l'artiste en fait qui doit vérifier que ça soit bien fait. Mais ça, après, au niveau production, c'est vraiment les salles de concert qui sont équipées pour ça. Et après, par contre, à lui de poser... Vous supposez qu'il y a peut-être des petits sous à donner à un moment donné quelque part, mais c'est la responsabilité de l'artiste, vu que finalement, c'est lui qui en profite. Hein, donc... Et quelqu'un qui voudrait pas en profiter ne pourrait ne pas le remettre tout simplement aux archives. À la limite, oui, si. Après, les artistes qui ne veulent pas que leur nom apparaisse sur leurs œuvres sont assez rares, mais pourquoi pas, oui. D'accord. Mais c'est-à-dire que là, c'est un voiture et ils auraient peut-être eu envie de se faire de l'argent en vendant des disques en reproduction ou des choses comme ça. Du coup ? Donc on y va. En début d'après-midi. Donc vous arrivez devant la maison, qui est une fort belle maison d'ailleurs. Hein. C'est à peu près comme celle de Monsieur Dustrelli. Hein. C'est-à-dire que une très belle façade, plusieurs étages. C'est quelqu'un qui d'avoir une belle situation quand même. Hein. Eh bien, on frappe. La porte est fermée. Y a-t-il un heurtoir en forme de tête de lion ? J'essaye de regarder si on n'a pas été suivi, s'il n'y a pas quelqu'un. Test de maraude. Attends. Maraude, voilà. Il y a un heurtoir.
chez Maître Archiviste Lizzie. Il y a un chat. Il y a un chat. Ouais, il y a un chat dans la rue. Il y a un chat, c'est ça. Alors, c'est presque des chats comme ceux qu'on connaît. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes, hein, parce que... C'est incroyable. Parce qu'on est à Écrim. En fait, ça a un bruit de chat, mais ça ressemble plutôt à... C'est des chats écailleux, c'est-à-dire ils ont des écailles, c'est des lézards. Qui aiment se dorer la pilule sur le pavé de Vénitia. C'est des gros lézards qui adorent se mettre au soleil. Et qui sont des animaux de compagnie, somme toute, assez fiables, parce que, voilà, ils aiment bien. Du moment qu'on leur donne à manger, ils s'attachent facilement à une maison. Et donc le heurtoir, bah, c'est un heurtoir, un gros heurtoir doré, de forme ronde, wow. sans inscription particulière d'ailleurs. Il y a bien écrit que c'est la maison de Maître Lady sur le côté, mais sur la porte en elle-même, pas grand-chose. Je heurte. J'ai fait 8 en maraude. Ah oui. Ah oui, pardon. Eh bien... T'as pas l'impression d'avoir été suivi. Je peux pas, c'est pas grave. Ah oui. Bah, personne te répond. Oui, on trouve. C'est la barre d'espace de Jack Jack. Ah, il y a une question qu'on a oublié de demander à la bibliothèque. Ah, merde. Ils tiennent le registre de tous les concerts qui sont faits. Mm-hmm. Oui. Donc, avec les dates et les artistes. Ah, on y reviendra. Pour savoir avec qui elle a joué ce jour-là et avec qui. Ils doivent au moins conserver. Personne ne répond. Je suis pas sûr qu'il les note parce que tu vois la personne. Ah si, il savait qu'il s'appelait Armand. Non, il. Qui ? Le archiviste savait que. Ah non, ils ont appelé ça l'erreur. Non, il savait pas. Ils ont appelé ça l'erreur. Il a jamais dit son nom. Normalement, j'ai fait attention de ne pas dire son nom, mais ça a pu m'échapper. Mais en principe, non, ils ne connaissaient pas le nom. Ils ont parlé de l'erreur, mais en principe, ils... Est-ce que je peux savoir s'il y a du bon dans la maison? Oui, tu peux. Si ça se trouve, il est sourd, lui aussi. Ah ouais. Bien joué. Ou la maison est vide. Bien joué, Ferdinand, bien joué. C'est l'élégie. Ok. Quoi ? Parce que c'est Louis, du coup, je suppose que t'écoutes. Enfin, ou... Pas top. Non, rien de spécial. Enfin, tu es pas trop sûr de toi, en fait. T'as rien entendu. J'ai l'impression qu'il y a personne. Est-ce que la porte est fermée ? Est-ce qu'on peut essayer de voir si c'est ouvert ou pas ? C'est fermé à clé ? Alors, la porte est pas verrouillée. Loin. Alors peut-être avons-nous entendu un bruit suspect et que nous sommes rentrés. Oui, c'est à la limite de la légalité, mais comme on n'a pas forcé la porte, oui. Voilà. Peut-être y a-t-il sur la façade un interrupteur ou quelque chose de ce genre-là pour signaler notre présence ou une sorte de ficelle. Un interrupteur, tu vois pas de clochette, hein, enfin de sonnette, tu cherches. Ou une grosse cloche à tirer. En dehors du marteau sur la porte, tu vois rien de ce style. D'accord. Après, si vous vous souvenez de la maison d'Estrelli, il y avait un majordome. Ouais. Ah oui. Qui faisait sonnette. Enfin, disons qu'il venait dès que vous frappiez à la porte, si tu te souviens bien. Donc, vaut mieux. Si tu supposes que ça marche pareil, la maison étant à peu près cossue de la même façon. Il y a quelqu'un ? Curieux, ouais. Je heurte à nouveau, plus fort. Non, personne ne répond. C'est ouvert, c'est qu'il y a quelqu'un. Pas de majordome, c'est quand même curieux. J'ai peut-être arrivé moi, ce quelque qui m'embête, chose. C'est surtout ça, hein, le fait qu'il n'y ait pas de majordome. Oui, il est peut-être arrivé quelque chose. Je sors mon arbalète, j'encloche un carreau. Donc là, on est d'accord, hein, Eleonore, t'as juste essayé la clenche, t'as vu que c'était ouvert, mais t'as pas ouvert même. Ah, je pense que j'ai ouvert la porte quand même, du coup.
Ben, t'as pas réussi parce que ça t'as ouvert sur 5 cm et après il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est une chaînette ou quelque chose comme ça ou c'est non. Il y a quelque chose derrière la porte. Oui, tu pencherais plutôt d'accord. sur ça. Est-ce Enola. Que je peux glisser la main et voir et toucher, voir si. Alors tu t'accroupis du coup. Oui. Tu voilà, tu regardes. En fait, tu sens rien. Et en arrivant vers le sol, tu sens un tissu et puis quelque chose dans le tissu et une jambe. D'accord. C'est